Bienvenue à vous, bonjour à toutes et à tous. Si je vous dis trace de toi, si je vous dis géant, si je vous dis souris puisque c'est grave, évidemment vous me répondez Alain Chamfort. Et vous aurez bien raison puisqu'Alain Chamfort est quand même l'un des auteurs les plus prolifiques de sa génération au niveau de la variété. Alain Chamfort repéré par Claude François qui lui fera enregistrer ses premiers succès sur les disques Flèche, vous le savez, Adieu mon bébé chanteur ou L'amour en France. Et puis il décide d'un coup, sur un coup de tête, de quitter l'écurie Flèche parce que Alain Chamfort, il en a marre de cette image qui lui colle à la peau, cette image de chanteur à minette. Et il a bien raison car 3 ans après, c'est l'explosion. Il rencontre d'une autre manière, hein, mais c'est l'explosion avec Manu Reva. Il rencontre Serge Gainsbourg, c'est un texte signé Serge Gainsbourg qui le prend sous son aile. Là, on s'intéresse évidemment aux années 90, une période un peu plus trouble pour l'artiste, d'ailleurs du nom d'un de ses albums. On est en 93, le disque s'appelle Neuf. Et voici pour vous Hélène de Fougerolles, la comédienne Hélène de Fougerolles, en mode sitcom karaoké dans Clara veut la lune. Et tout de suite, on va retrouver la table numéro 6 avec Kéo et Kaé. C'est parti pour Clara veut la lune d'Alain Chamfort. Musique. Clara veut m'entendre, inventer des mots tendres. Je devrais à chaque instant thank you.
beaux yeux. Barbara.